Bonjour, alors nous allons réaliser aujourd'hui une recette des pêches blanches des Baux de Provence façon Melba. Donc nous allons commencer par préparer la pâte sucrée. Nous mettons notre beurre, notre sel, notre sucre, poudre d'amande et farine. Nous mettons notre œuf et là on termine la pâte. On va préparer un petit film pour la réceptionner. Enfin un beau petit pâton qu'elle repose gentiment et on la met au frais. Et là nous allons étaler la pâte pour créer des bandes. Voilà. Donc la pâte est bien froide. La pâte, on l'a remise quelques instants au frigo, au froid, pour la faire prendre. Entre temps, je l'ai découpée de la largeur nécessaire et de la longueur pour pouvoir faire nos bagues. On prend notre bague, on positionne la pâte à l'intérieur. Les bagues, elles ont été préalablement beurrées. Maintenant, nous allons créer les fonds. Donc le fond, on prend n'importe pièce. La pâte, elle est bien disposée dans le fond. Nous avons besoin donc de beurre, de sucre, de poudre d'amande, et là nous allons faire comme un crémage. Là maintenant j'incorpore dedans mon œuf. Voilà, et nous allons garnir un tiers à peu près du volume, un petit peu de crème d'amande. On y rajoute un peu de brisure de dragée blanche. On peut mettre en cuisson, environ une douzaine de minutes. Notre petite pesée de lait, la gousse de vanille grattée, fendu et gratté. Nous allons réaliser maintenant un mélange de jaune d'œuf, de sucre, à blanchir, ce que l'on appelle, pour réaliser notre crème. On pense à incorporer de la gélatine préalablement trempée dans de l'eau bien froide. Voilà, notre lait entre en ébullition. Voilà, voilà. Et là, nous allons cuire notre crème. Nous allons maintenant la passer dans une petite passette. Donc notre gélatine, nous la pressons bien. Voilà. Et là, maintenant, on la met à la glace pour la refroidir. Donc là, nous allons monter la crème. Nous allons incorporer dans notre crème notre mélange. Voilà. Et là, nous allons garnir maintenant notre sphère. On va s'assurer de la prise en la mettant au congélateur. Nous allons préparer nos pêches. On en choisit des belles pêches bien mûres, hein, qui soient faciles pour les monder. On retire le noyau. Alors l'eau bouillante, là, elles sont parfaites. On les prend, on les refroidit à la glace, le fruit se pèle tout seul. Nous avons tout. Nous allons pouvoir réaliser notre montage. Un petit peu de crème dans le fond. Nos petites bavaroises sont bien prises. On va les positionner à l'envers. Et dessus, nous allons pouvoir mettre poser maintenant nos pêches. Maintenant, on va décorer avec nos amandes effilées. Dessus, une petite touche de chantilly. Donc voilà notre pêche, la coupe, et maintenant, bonne dégustation.